Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici on se retrouve ben, pour la Lamborghini. Bon ça y est, elle est finie. Je vais vous la mettre en téléchargement sur le blog. Voilà. Donc on la voit ici. J'ai peut-être mis un petit peu rapide. Enfin, c'est pas grave. On la voit quand même. Voilà. Ok. Donc elle est ici. Un petit rendu vite fait. Enfin, vite fait avec un ordinateur comme le mien, ça va pas être vite fait. Voilà. Tout est dessus. Donc, qu'est-ce qu'il y a en texture déjà pour commencer? Ici, le logo, bon, il a été modélisé. Hein. J'ai modélisé quand même le logo. Hein. C'est pas ce qui est le plus compliqué à faire. Et l'image est plaquée dessus. La plaque d'immatriculation, pareil. Hein, c'est un plan que j'ai modifié un petit peu. Et puis voilà. J'ai mis le taureau, Lamborghini. Les plaquettes de frein, c'est un disque avec une texture dessus. Bah ici, c'est pareil. Il hein, y a le logo Lamborghini ici. Et à l'arrière, il y a une plaque. Et puis je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Oui, j'ai pas mis Lamborghini. C'est super. Attends de faire quelque chose parce que là. Pff. Déjà là, c'est plus le même ordinateur que j'ai. Ça doit faire 2 ou 3 mois que j'ai changé. Un ordinateur de récupération était un petit peu plus puissant que l'autre. Mais pas assez encore. Alors bon, ici j'ai juste mis ici et puis logiquement derrière il n'y a rien hein, parce que vous avez regardé sur les images, il n'y a pas de logo Lamborghini ou quoi que ce soit. Bon, au cas où s'il y a hein, si vous me dites vous trouvez une image ou qui est affichée, vous me le dites hein, je changerai, puis je changerai le lien que je mettrai le logo dessus. Voilà. Ok. Que j'allais dire, oui, vous allez télécharger ce dossier-ci. Donc, dedans, ah oui, la grille aussi que j'avais fait devant, ici devant. Voilà. Ok, bon, la grille, hein, c'est celle-là, tout simplement. J'ai pas mis de relief dessus. Voilà. Bah, il y a ça qui se trouve sur la plaque devant et derrière. Il y a celui-là aussi. Celui-là, c'est pour le canal alpha. Ici, il y a les deux, mais les deux sont utilisés. Je sais pas pourquoi j'ai mis les deux, mais enfin bref. Bon, du coup, j'avais la flemme de changer sur la texture, donc j'ai laissé. Hein. C'est pas méchant, hein. Ça prend que quoi 585 kilos. Alors, voilà. Et pour le disque de frein, là. Voilà. Et puis, bah, bien sûr, le fichier c'est 4D. C'est tout ce qu'il y a en texture dessus. Ok, je vais changer un peu, voilà. Voilà, c'est moi qui vais t'embêter après. Quand c'est trop grand, ça va pas. Oups. Voilà. Ok. Ça c'est bon. Bah, j'ai tout dit. Oui. Donc vous le trouverez ici sur le blog. Je mettrai le lien dans la description. Il sera ici dans modèle 3D. Là. Ah, je sais pas si jamais. Bon, tout en bas, il n'y est pas. Parce qu'il y a quand même quelques trucs. Faut que je mette ça par catégorie. Hein. Ça sera mieux. Voilà. S'il n'y est pas là, c'est que j'aurais fait un nouvel onglet, moi je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc dans ces cas-là, vous avez ici plutôt dans texture, et puis ben je mettrai ici en bas ouais, parce que rajouter un onglet en haut, ça risque de faire un peu beaucoup. Waouh, je verrai. Parce que ici c'est que les textures. Texture, si je rajoute un onglet, ça me fait un onglet encore ici, et puis ainsi de suite, si je mets tout.
cesse de faire bordel. Je verrai, on verra. Enfin, bref, il sera dessus. Voilà. Ok. Ensuite, la Fiat Argenta de 1983. C'est la 120 IE. Ouais, 120 IE. Voilà. La diesel, la gamme un peu plus importante que la base normale. Donc la voici. Bon, elle n'est pas tout à fait finie. Ça arrive. Il va me rester les sièges que j'ai commencé. Sièges avant et banquette arrière. Le tableau de bord. Le tableau de bord, ça va être vite fait. Hein, je vais pas m'embêter à modéliser tous les petits boutons et tout ce machin. Patati patata. Enfin, je vais quand même faire que ça ressemble quand même au tableau de bord. Le volant et les jantes. Celle-là, les jantes, j'ai mis des jantes que j'avais en stock vite fait. Mais elles me plaisent pas. Ici, hein, le pneu, c'est pareil. Hein, j'ai bien fait un truc vite fait. Donc là, voilà. Tout est dessus. Les rétroviseurs. Manque le rétroviseur intérieur. Tiens, j'ai pas fait. Les feux, clignotants. Bon, ces deux parties-là, c'est séparé. Ça a été les feux à l'arrière qui étaient un petit peu plus longs à faire. Voilà. Ici, Argenta 120 IE. Bon, c'est un texte mographe qui est dessus. C'est pas un plaquage de texture. Et ici, bon, j'ai fait avec un cube, hop, paf, et j'ai plaqué l'image Fiat dessus. Je trouvais que ça faisait mieux. Par rapport à, on va voir. Ça, j'ai mis même les chromes, hein, les baguettes tout autour. Le contour ici, c'est pareil. Quand on voit pas trop, il y a un liseré bleu qui fait le tour des lettres. Enfin, ben, on va pas repasser. Voilà, les feux, bon, sont tous séparés. Bon, à part là, ça fait un petit défaut, mais on voit pas trop. Donc, ben, chaque feu est une pièce. Voilà, qu'est-ce que ça avait à dire? Pff, la sortie d'échappement, est-ce que je l'ai fait? Wow. C'est juste un tuyau. Hein. Juste un tube à mettre. Et puis c'est bon. Voilà. Donc, elle sera en téléchargement aussi. Dans les commentaires, vous me dites ce que vous en pensez. Et puis, ben vous mettez ça, ce que vous voudrez que je modélise, que je mette en téléchargement, comme voiture. Les avions, les chars, les motos, tout ça, j'ai pas fait encore. Bon, les avions, ça doit pas être trop compliqué. Les chars, il y a un peu plus de pièces et tout dessus. Hein. Et souvent, il y a les pelles, il y a les jerrycans, il y a ceci, il y a cela, il y a patati, il y a les filets. Enfin bref, c'est un peu plus long par contre. Et les chenilles aussi, c'est encore plus long. Voilà. Ok. Donc, ben, je pense que ça va être tout. Donc, après celle-ci, je vais commencer à modéliser une autre. Voilà. Donc, ben, je vous remercie. Puis, on est vendredi. Ben, je vous souhaite, ben, un bon week-end. Ça va être demain. Allez, ciao.